Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La parabole de notre vie, à quoi elle ressemble, le Bal Al-Vavot nous raconte qu'il y avait une fois un pays où ils avaient une habitude de prendre chaque année un nouveau roi. Et à la fin de l'année, ils le jetaient. Il, aura, il, il le sortait de la ville et il avait terminé sa, son, son tafkid, son rôle. La, une année, ils ont pris quelqu'un de pas très intelligent et. Du matin au soir, il a kiffé Vive le roi, vive le roi, il y avait la philharmonie, il y avait les repas, il y avait les balles, et lui il prenait du, du bon temps et du plaisir, et même il a amené là bas sa femme, ses enfants, dans cette ville là, dans ce pays, et tous ses biens il les a vendus, il les a ramenés dans ce pays, etc. Pendant toute l'année, il a kiffé. À la fin de l'année, on lui a dit Merci monsieur, au revoir monsieur, on l'a jeté de là bas. Et on l'a sorti du pays et il est resté sans rien. L'année d'après, ils ont pris quelqu'un de plus intelligent. Et cette personne-là, elle a commencé à rapprocher un des ministres de l'État et à euh, être amie avec lui. Et à un moment, il a réussi à lui sortir de lui le secret que chaque année, on change de roi. Depuis ce jour-là, cette personne-là, ce roi-là, il a commencé à demander aux ministres, à tous les ministres de venir, et il a demandé, vous voyez la petite île là, qui est pas loin de ce pays, je veux que vous l'achetiez, vous la mettez à mon nom. Tous les camions qui sont dans le pays, je veux qu'ils arrivent ici, tous les trésors de, de, de l'État, les faire passer à mon nom dans cette, dans, cette, dans cette île, etc. Et il a commencé à travailler comme un fou pendant toute l'année, et les ministres et l'État voulaient lui faire du, du, du cavaud et... Des, 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 des soirées, des balles, des repas, rien à faire. Il, était, il avait pas le temps, il était trop occupé. En fin de compte, à la fin de l'année, on lui a dit merci monsieur, au revoir monsieur, dehors. Bien entendu, cette personne est partie directement dans cette île et il a eu du bon temps jusqu'à la fin de ses jours. Le Khovah d'Alvavod nous dit qu'il y a deux sortes de personnes dans ce monde-là. Il y a des gens qui sont stupides et qui sont du matin au soir, ils sont les rois dans ce monde-là, mais ils passent leur temps à faire des balles et des cérémonies et... À courir après le vent et à la fin de l'année à la fin de leur vie ils s'en vont et ils ont rien avec eux alors qu'il y en a d'autres qui sont intelligents et qui savent qu'on est seulement roi pour un an dans cette ville là et que au final on doit acheter une île on doit faire passer nos trésors là bas on doit se préparer pour avoir jusqu'à la fin des temps le plus grand des plaisirs et donc ce n'est pas contradictoire on peut avoir du plaisir et de ce monde là être roi et avoir du plaisir, mais être assez intelligent pour préparer le futur et faire passer le maximum qu'on peut, même si ce n'est pas toujours facile, ça vaut le coup de préparer et ce monde-là et le monde futur.